Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley, donc c'est parti. Donc la dernière fois, voilà, on a eu le fer pour pouvoir tout simplement améliorer la hache et on a en même temps aussi la pioche à améliorer, donc on va s'occuper de la pioche en premier parce que je trouve ça plus intéressant pour aller un peu plus vite dans la mine parce que j'en ai ras-le-bol, voilà, on va pas se mentir, de galérer dans cette mine à chaque fois. Oh, la canneberge, merci la canneberge, c'est sympa. Et on va pouvoir tester notre arrosoir. Maintenant qu'on l'a récupéré. Ah non, on n'a pas été chez Clint, on n'a pas récupéré, donc il faut que j'y aille. Oh my god. Alors, faut que je fasse cuire encore un morceau de fer après. Avant d'aller chez Clint. On va y voir les petites poulettes. Hop, allez. Oh, elles ont toutes grandi. Nice, on va avoir plus d'œufs. Oh, c'est trop bien. Coucou toi. Coucou, coucou. Et que coucou. Et la meuf qui devient cinglée. Alors, tac, 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 tac. Voilà, salut les poulettes. Bye bye. Ah, je suis ravie de ça, c'est trop bien. Donc, faut qu'on aille chez Clint. Récupérer notre arroseur, du coup. Tac, 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 tac. Ah. Hop. Bon, on va mettre à vendre ça. Hein. Écoutez, écoutez, écoutez. On va mettre à vendre. Hein. J'en ai pas besoin. On va aller se refaire des omelettes. Rapidement. On a deux géodes à ouvrir. Alors. Maou, elle est où? Là où? Elle est pas là. Mais c'est pas vrai, mais elle est où, Maou? Ah, là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, c'est parti. On va s'occuper de notre petit champ. On va mettre nos graines. Ah, mais... Hop. Quoique non, on va plutôt mettre là-bas. Parce que là, c'est 4. Et normalement, l'arrosoir, il arrose de 5. Si je dis pas de bêtises, l'arrosoir avec le fer, il fait ça. Si j'ai bien compris sur le wiki du jeu. Tac... Voilà, donc on va planter tout ça. Il faut qu'on aille récupérer notre arrosoir, quoi. J'ai zappé. C'est vrai qu'on n'a pas été voir Clint, on a été direct à la grotte au dernier épisode. Donc du coup, j'ai un petit peu zappé les choses. Hop, hop, on plante tout ça. Bon, en tout cas, on avait atteint le niveau 60 et c'était c'était extra, quoi. Ouais, on va faire nos omelettes. Parce que là, il faut attendre que ça, ça quiz. Tac, tac, tac. Yes. Ah, la prochaine fois qu'on va aller à la grotte, on aura plein de bouffe. Oh, ça va être trop bien. Pou, 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 pou. Elle a déjà fini? What? Ah ouais, ça se passe exactement comme... Wow. Eh, on va pouvoir passer chez Marnie prendre des nanimaux, comme je dirais. Comme les enfants. Des animaux. Il n'y a rien. Alors, est-ce que notre fer est cuit, qu'on puisse aller voir Monsieur Clint? Quoique là, on s'en balance du fer, en vrai. Bah oui, on peut se casser. Ah. Parce que je peux pas faire deux outils en même temps. Allez, c'est parti. On va récupérer notre arrosoir et on va aller améliorer notre pioche. Comme ça, au prochain épisode, on pourra tout simplement aller à la mine avec une pioche améliorée. Et comme ça, on pourra améliorer la hache ensuite. Ouais, on va être bien comme ça. On va être pas mal. Je pense. Ah, 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 ça clignote, là. Ça clignote. Un saumon. Oh, bah non, ça c'est mort. Je crois que c'est la quête de Gymnos que je vais pas pouvoir faire, ça par contre. Les trucs de la pêche, parce que bon, j'aime pas ça. Et que quand je joue, bah j'aime pas faire un truc que j'aime pas. Voilà. Logique, vous allez me dire. Tac, allez cocotte. Salut Clint. Ouais, trop bien. Merci monsieur. Ouvrir géode. Alors, de la bouse. Yes. Enfin, de l'argile. Ah. Nécoïte. Ah, je crois que j'en ai jamais eu. Non.
Améliorer outils. Pioche en cuivre, du coup. Merci, je commence dès que possible. Ça devrait être prêt dans 2 jours. Nice. Merci, Clint. Salut. Salut, salut. Donc, paf. On va passer à la plage avant de rentrer à la maison. Et on va tester notre nouvel arrosoir. C'est plutôt cool. Et on va aller voir Marnie. Pour avoir des nouveaux animaux. Y a rien ici, y a rien, nada, ok, super, pas généreux du tout. Ah, des coraux, des coraux, des coraux, des coraux. Ah ouais, y en a la blinde, et en plus des étoilés et tout. Waouh, trop, trop bien. C'est la vie, ça. Bon, allez, hop, c'est parti. On va à la maison. On va aller tester notre nouvel arrosoir. On va voir s'il arrose vraiment de 5. Et ensuite, on va aller voir Marnie pour avoir des nouveaux aliments. Ta-la-ta-la. Toulou-toulou-toulou. C'est trop bien. Comme ça, on va pouvoir avancer sur les quêtes des Juminos aussi. En ayant des nouveaux animaux, donc c'est plutôt bien. Tac-tac-tac-tac. Par là, par là, par là, par là. Salut toi! C'est Abigail, si je dis pas de bêtises. Allez! On va à la maison. 13h40 qu'il est déjà dans le jeu. Punaise. Bon sang. Ah, j'aurais pu passer voir Gunter pour déposer le truc. J'ai pas pensé. Tant pis, on est déjà à la maison. Maintenant qu'on a le maxi backpack, c'est cool quoi. On a besoin de se tracasser pour ça. Donc là, j'ai du miel. J'ai de la résine. Ouais, j'ai tellement de trucs là-dedans. Non! Non, non, non. Au contraire, je veux mon arrosoir. Alors, comment ça se passe? Non, il arrose pas de 5! Non! Sérieux? Je pensais qu'il arroserait plus que ça, mon arrosoir! Non! C'est de la publicité mensongère sur le wiki? Non, la déception, je vous jure! Oh, la déception énorme, là, je vous jure! Bon, écoutez, petite ellipse, le temps d'arroser tout ça. Hein, je vous retrouve après. Alors, voilà, je vous reprends. Donc, j'ai tout arrosé. J'ai ramassé l'igname, mais en même temps, un artichaut. Donc, je sais pas d'où je sors cet artichaut. Écoutez, c'est comme ça. Donc, on vend tout ça. Ça c'est good. Alors au niveau des quêtes là. Ah oui, la citrouille, c'est vrai, j'avais zappé cette histoire. Pam, ouais, la bière, je sais toujours pas. Et il faut atteindre le dernier niveau de la mine, je sais pas combien on a. Les 18h30, je sais pas si on peut aller voir Marnie. Et on va tenter quand même. Mais je suis pas convaincue qu'on puisse aller la voir. Alors de la résine, on la mettra à vendre. Oula, oula, oula. Tu passes là. Ouais, c'est ça. On va aller voir, mais 19h, ça m'étonnerait quand même. Ça fait tard. Ça fait tard, je pense. Ah, champignon. Salut, champignon. Je te ramasse. Non. Non, mais n'importe quoi. Mais je vous jure, quel idiot. C'est fermé, voilà. 8h, c'est bien ce que je me disais. Ça ouvre à 8h. Bon, écoutez, la prochaine journée, on ira. Ah, mais vraiment, la déception pour l'arroseur, je vous jure. J'avais lu ça sur le wiki, donc ça veut dire que c'est peut-être celui en or, du coup. Et pas celui en fer. J'aurais mal lu. Je vous avoue que là, purée, je suis tellement déçue. Hop. Alors, on vend tout ça. Voilà. C'est parti, on va dormir. Hop, hop, hop. Partie. Yes! Efficacité de la hache. Nouveau schéma, graines sauvages, hiver. Totem, téléport, montagne. Totem, téléport, montagne? On entend quoi par là? Moi, pas tout comprendre. Moi, pas tout comprendre là. Alors, deuxième jour de l'épisode. Donc, c'est parti. Ouais, comme d'hab, on se réveille du mauvais côté. Bah, on a plein de sous, c'est fou ça! Moi qui pensais que l'argent allait être un problème dans le jeu. Pas du tout. Alors,
On a des aubergines à ramasser. Trop bien. Toujours plus de fric. Monnaie, monnaie, quoi. Tac. Non! Je vais ramasser ça. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres à ramasser de maïs? J'ai pas l'impression. Hop, on va mettre tout ça à vendre. Oh, mais. N'importe nawak. Ça, 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 tac. Alors, on va y avoir nos poulettes. Comme d'hab, hein, vous le savez. Hein, c'est... Ça va être un rituel où on est vraiment obligé là. Hop. La prochaine saison, quand on met quelque chose, on mettra du fertilisant parce que c'est quelque chose que j'utilise pas trop, alors que je devrais. Hop, une petite caresse, il reste encore une, et on leur met la bouffe. Voilà, mangez bien, à demain, à deux pieds, comme on dit. Je sais, très drôle. Alors, c'est parti, donc je vais arroser tout ça, et je vous reprends après. Alors, on se retrouve après toute cette séance d'arrosage qui fut bien longue, du coup. Donc, on va faire nos petites omelettes, hein, comme d'hab. Vous me savez bien. Comme ça, on va en avoir plein et c'est trop, trop bien. Donc, on n'a toujours pas de nouvelles recettes. Donc, ça, je suis un petit peu déçue. On va pas se mentir. Du coup, au niveau de l'artisanat, on a pas mal de nouvelles choses. Métier à tisser transforme la laine brute en tissu. Ah ouais, donc il va falloir pas mal de choses, hein. Machine à grains. À graines, pardon. Bon, de toute façon, de l'or, on en a toujours pas. Tonnelet, j'en ai un. Ouais, j'en ai un. La ruche, j'en ai déjà. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Fertilisant. Ah ouais, pas lourde. Ah ouais, punaise, regardez. La croissance d'au moins 25% mélangeur au sol labouré. Mélangé, pardon. Ah, sympa les trucs. Ah, je suis en train de voir que franchement, il y a des trucs sympas. Transmuter. Du fer pur. On peut avoir du fer. Non. OMG, non. Si ça marche. Eh, faut qu'on fasse qu'un des lingots, là. Les lingots de cuir. Je suis curieuse là, ça y est. Hop. Allez, c'est parti. On va aller chez Marnie avant. On va pas attendre là comme des bébêtes. Hein. Mais OMG, si c'est vrai, ça va nous aider à améliorer nos trucs plus rapidement. Bon, ça n'empêche qu'il faut qu'on arrive à descendre au niveau de l'or. Mais waouh, ça veut dire qu'on peut avoir du fer comme ça. En gros, on convertit du cuivre en fer, quoi. Au lieu de galérer comme des quiches à avoir du fer dans les mines. Ah, c'est pas mal. Salut! Oh, il y a Lewis. Ils sont en train de se draguer, eux deux. Acheter des animaux. Nom de votre animal. Bah, Marguerite, voyons. C'est une vache. Alors, super. J'envoie la petite Marguerite à sa nouvelle maison tout de suite. Merci, Marnie. Bye bye, vous deux. Alors. Il faut savoir du coup qu'on va essayer de récupérer encore du foin, histoire d'avoir notre silo plein à craquer. Mais si ça marche cette histoire de cuivre, c'est la révolution là. Tac, 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 tac. Je veux du foin, s'il vous plaît. En vrai, on a pas mal nettoyé la propriété déjà. Je trouve ça pas mal. Hop. Nice. Bon, j'ai pas en cassé plus parce que j'ai pas envie de trop casser parce que voilà, sinon après on va se retrouver à court. Et j'aimerais pas parce qu'on a quand même des animaux et voilà, il faut en prendre soin. Donc on va aller voir dans notre étable, notre petite vache. Comment elle va? Enfin c'est un petit veau je pense là. Hein. Elle va grandir je pense comme les poulettes. Salut toi. Oh ouais, t'es contente? Voilà, ciao ma copine. Hop. Alors, on a un cuivre. Un cuivre. Deux cuivres. Hop, le deuxième cuivre qui va être en route.
Hop, ça on range. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Casser l'arbre, ok, là. Hop. Allez, on va se casser quelques arbres et tout, tranquillou, pépère. Histoire d'avancer. Et là, lui, j'aime pas qu'il soit là. Alors, je sais pas trop, du coup, parce que les autres animaux, on peut pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres bâtiments à faire? Enfin, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas du tout. Donc, je vous avoue que là, je suis un petit peu perturbation. Dès qu'on aura récupéré notre pioche, on améliorera la hache. Comme ça, on pourra casser ça. Au lieu de pas pouvoir le casser. Bon. Hop, allez. C'est parti. Parce que c'est qu'on a pas mal de gold, donc c'est bien. En même temps, j'ai envie de... Peut-être au niveau du centre communal. J'hésite. J'hésite. Allez, coco. Et on encaisse du sapin. Mais on n'a pas de chêne pour avoir des glands. Pour faire des trucs, là. Des trucs mûches. Bon, hop. On a eu une... Ah, si, on en a un, là, de chêne, tiens. Allez, est-ce que tu vas me donner du gland? Ah, on a presque plus d'énergie. Bon, c'était le but, hein. En même temps. J'ai envie de vous dire... Hop. Allez, nos stress. Alors là, il y en a... On a des chaînes... Hop. Et je comprends pas pourquoi, parce que dans l'étable, on peut pas mettre que des vaches. On peut forcément mettre les autres animaux, je pense, quand même. Ça serait un peu idiot, sinon. Ou alors, c'est moi qui suis idiote. Alors, ça, c'est fait. Donc, on va voir, on va tester en direct. Artisanat... Ah non, j'ai pas tous les ingrédients pour faire les casse-croûtes. C'est pour ça. Ouais. Une... Ah, les glands. C'est ça qu'on a pas. C'est... Ah, punaise. Punaise. C'est galère. Du coup, ouais. Je sais pas. On va peut-être retourner chez Marny, voir. Maintenant qu'on a acheté une vache, est-ce qu'on peut avoir d'autres animaux? Parce que je sais pas, c'est un peu bizarre, cette histoire. Comment je suis censée avoir les autres trucs si je peux pas avoir la meumeu? Si après la meumeu, je peux rien avoir d'autre? Parce que j'aimerais bien avoir une petite biquette, tout ça, moi, quoi. Voilà, quoi. Un petit canard aussi, vu qu'il nous en faut pour les quêtes. Parce que le but, c'est de finir le centre communal, quoi. Tu peux utiliser une faux pour récolter du foin en coupant de l'herbe. Ok. Ou tu peux venir m'en acheter directement, bien sûr. Ok. J'aurais bien besoin d'argent. A bientôt. Ok. Ok, donc je peux pas acheter. Ok, d'accord. Bon, bah on est venu là pour rien. Écoutez, elle nous a menés en bateau. Tout va bien. On n'est pas du tout déçus. Mais non, c'est faux. C'est faux, ça. C'est dans votre tête. Vous allez finir par me prendre pour une dingue. Et vous aurez raison. Alors. C'est parti. C'est de l'argent, on en a en fait, c'est pas le problème quoi, mais c'est que je veux l'utiliser mon argent moi, vous voyez. Mon pognon, j'ai envie de l'utiliser. Bon, ça nous donne que des fibres. Pas terrible. Alors, est-ce qu'on a le cuivre? Qui a fini? Histoire de voir notre histoire. Yes. Alors, artisanat. Et ça, je sais pas quoi c'est... Du fer pur. Ouais, c'est ça, c'est un lingot de fer. Punaise. J'aurais dû voir ça avant. Voilà, quand on est élo et qu'on sait qu'on lit pas tout. Voilà ce qui se passe. La meuf qui fait la rageuse. Tout va bien. Alors, métier à tisser. Donc, 62 bois, fibres et de la résine de pin. Hop. Ah, j'ai pris les algues au lieu des fibres. Mais quelle andouille. Métier à tisser, voilà. On va devoir refaire nos chemins, tout ça. Tac, 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 tac. Ça, on va le poser là.
Donc, ok. Donc, ça, c'est le truc à mayonnaise. Ça, c'est le truc à fromage. Donc, le truc à fromage, pour l'instant, on peut rien faire. Ça, je peux le ranger. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Alors, on va pas se mentir. Tac, 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 tac. Bon, ça, il est 18h50. On a quasi pas d'énergie. Tout ça, ça a été arrosé. On a été voir nos poulettes, on a été voir notre petite vache qui va grandir d'ici quelques jours. Il va falloir qu'on arrive à résoudre l'histoire des autres animaux, quand même. Là, il n'y a rien. Ok, bon, bah écoutez, on va aller se pioter, hein. Voilà ce que j'en dis. Hop. Allez, cours. Cours, Forest. Ben voilà, on a fini notre deuxième journée. Écoutez, moi bien, hein, on a une vache. Voilà, on a une vache. C'est plutôt bien. On a un arrosoir qui n'arrose qu'une case, mais on a un arrosoir de luxe. Voilà, c'est tout. Bon, alors, 1000 de gold, ok. Donc, bah, on va se laisser là pour cet épisode. Du coup, moi, je vous souhaite bah, une bonne fin de journée, hein, tout simplement. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye à tous.